Déjà que moi, je peux mettre la biographie Vanessa Désiré, moi, je peux mettre que ma petite biographie Djibit. Eh bien, je dis c'est avec un cœur content que je vais présenter la biographie Djibit, malgré son biographie qui est vraiment, vraiment, vraiment longue. Bonjour, bonsoir à tous les amis YouTube, moi, sur channel Betsaïda Ousso. Je dis à vous une belle vidéo pour nous. Vidéo, je dis à c'est biographie Djibit. Mais avant d'aller plus loin avec la vidéo, ça m'a profité de remercier chaque grand monde qui est toujours abonné à la chaîne là. Ou même qui beaucoup abonné avec qui ça va attendre. Chaque fois que vous abonnez à la chaîne là, pas oublier petit bouton cloche là, mettez-le sur tout pour chaque fois que vous postez une vidéo pour ces premiers monde qui regardent. Merci à chaque grand monde qui toujours quitte un petit like pour moi, qui toujours quitte un petit commentaire pour moi, vraiment aimer ça. Merci à chaque grand monde qui toujours passe voir moi sur Instagram, toujours follow moi, toujours petit message pour moi. Vraiment content de tout bagaille ça y est. Demain si tu veux, moi vais porter un gros bouton ton artiste pour nous depuis longtemps mais Matisse ça. Non, c'est Darling Descartes. Darling Descartes, dernier jour ça y est, qui vraiment fait parler de lui. Tout le monde c'est Darling Descartes, il est toujours à parler de lui. Eh bien, demain si tu veux, ma petite biographie Darling Descartes pour nous. Tout ça n'a pas de connaître de lui. Est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle est mariée? Tout ça. Biographie Djibit, c'est son biographie qui est vraiment longue. Ça perd du temps, mais on commence avec biographie ça. Djibit fête le 24 août 1976. Vrai nom lycée Jean-Aubert Pluvieuse. Il fête à Cayes. Il est un compositeur, un producteur et puis un beatmaker. Artiste là, c'est un altangeur, ils sont chanteurs et puis ils sont un guitariste. Djibit, c'est un artiste qui est très prolifique. Ça veut dire, ils sont un artiste qui produit un pile et non caressant. Il a commencé à chanter depuis à l'âge de 14 ans. Sans nous pas oublier, artiste là, c'est un pianiste, il jouait dans le style classique. C'est dans l'âge, à 14 ans, Djibit quitte Haïti, il y a vivre aux États-Unis. Djibit te conduit en pile l'église, tankou, guitare, basse, batterie, tambour et puis gong. Dans la même époque, ça, il a commencé à produire. Li passé plus que 8 l'année, li pas jamais rentré à Haïti. Li te décidé de fond passé dans l'année 1999. C'était Kenny de Mangla qui te découvrit talent que Djibit gagne. Grâce à Kenny, et puis Lwin fait partie dans l'industrie haïtienne. Djibit te dit Kenny que li remè style musique sa yo tankou, R&B, zouk et puis compas. Li remè mette yo nan musique ke li fait et puis il fait un mélange de créole et puis anglais. Djibit te vraiment impressionné de un bébé 2 années qui t'a interprété yon musique li nan yon soirée zouk qui te fait Canada. Première musique, l'été écrit, c'était All I Need Is You. L'été connaît, musique, ça t'a fait un pile succès parce que l'été quoi, un pile, n'a qu'une des mangles. Mais c'était une vérité. Musique là, t'as gagné un grand succès. Tout de suite, Kenny Demangle fin de musique là, l'irrelé Alan Cave pour l'annoncer qu'il rencontre un gros talent. Alan Cave prend rendez-vous avec Djibit. Il arrive à écrire une musique ensemble qui c'est Can Do This To Me. Il te vint tande Alan Cave qui t'a fredonné une musique qui te relé de la tête au pied. Djibit Mandel pour enregistrer musique ça pour lui. Djibit fait Alan Cave une surprise. Djibit fin produit musique là et même enregistrer lui parce que Alan Cave potko prêt pour gens de travail ça yo. Les Alan Cave vin au courant de ça. Il est vraiment étonné et même apprécie travail Djibit fait en dan musique là. Et il même arrivé bay album nan pote titre musique là de la tête aux pieds. Djibit a collaboré avec Toxic sur une musique Mami Côté. Et comme sa musique là t'relé. Si Monsieur Toxic yo pas très bien bit là et puis sans yo pas faire rien là-dedans yo bay gabelle. Les musiques là arrivé dans mes gabelle. Yo te juste changé nom, yo te relé Koute Kem. Musique ça te vin sur album A3 Cwell Fell comme premier musique sur album Silla qui était sorti dans l'année 2006. Effectivement, musique ça a gagné un grand succès.
Jebit te fè monsieur toxik yo konen ke, avan fin ane ya, li gen pou, yo gen pou yo tan de müzik sa kap jwe nan tout gwo klub ki genyen. Ebyen, jan te di sa, müzik lan te pran tout kote pou li, se apre sa, monsieur toxik yo vin regret e menm bay Jebit rezon lan. Apre kek tan, Groupe Zin te fait album li et Jebit te produit musique depuis Mouel sous album sa. Jebit travaille en pile ak en pile groupe ak en pile artiste. Premier musique que Flev chante ak Gabel. Titre musique sa c'est ou se mélodie, c'était Jebit qui te écrit. Li fait même genre pour musique ça, li produit et puis li enregistre. Musique qui le Carry Me, featuring Princess Lover sur album Buzz Karimia. Li te fait même travail ça dans musique Carry Me. Li te enregistre et li te même produit. Jebit collaboré à quelques artistes dans groupe sa yo tankou Gabel, Karimi, New Look, Tivaï, Zinglin, Criolla et puis Harmonique. Li chante à quelques artistes tankou Misty Jean, en titre musique qui rele M'konnen Mentor, Darling de Sky qui c'est l'amour méchant, Blonde de Ferdinand, Remem Remem, Ou met condamné que le fait avec Zerbi, Oh my god que le fait avec Wendy, Gadon Douleur fait avec Meka Ben, Baby Trust Me li fait avec Baby et puis Osval. Gadon Femme li fait avec Baki Populaire, Protéger Cœur li fait avec Gazman, vraiment étonné. On Top que le fait avec Top Adlerman. I Want a Fidélité que le fait avec Kenny Way. C'est pas seulement musique ça que le fait avec Kenny Way. Pas mal de mal pour que le fait avec Artist Punch. My Superstar que le fait avec Princess Hood. Ak un pilote encore. Pour bien dire non, chaque grand artiste que me cite là ak un pilote encore, Jebit pas fait une seule musique avec yon. Ça ouais que Jebit fait musique avec yon en seule fois. Comme si li pa paraît encore. Jebit fait musique avec artiste sa yo plusieurs fois. Tant qu'on ça le fait une seule fois avec yo, on ka cité non Princess Hood parce que les mains de son album li yo, c'est ça que moi ouais. Est-ce que nous comprenons? Jebit gen plusieurs petites. Ça gen un an quelques mois côté il t'est perdu madame ni. C'était un mauvais moment pour Jebit pour te vivre moment de tristesse. Il sorti quelques albums tankou Allô bonjour, Oh my god, One more day, Out on the world, News beginning. C'est tout album ça y a quelques autres encore que Jebit gagne. Jebit c'est non artiste là. Dabit, c'est non groupe là. Groupe sa fête sous nouvelle génération qui très différent et vraiment dom. Jebit gen propre côté que li enregistre musique quand qui c'est Jebit Music Entertainment. Artiste là c'est un artiste qui vraiment populaire. Jebit gen en pile fanatique. Les Jebit a joué en côté. Mesdames, yon empêche Jebit joué. Jebit est un vraiment un gros artiste qui rive sous un pile monde surtout sous moi. Après m'te fin écrit biographie Jebit, m'te gon bagay qui poussait moi men Jebit plus parce que m'pa jam pense que Jebit te kon faire gros travail ça yo. Enjoy vidéo, partagez vidéo pour moi. Vraiment content pour me te parler non des belles grand artistes ça grand pile nan qui pas te connaît tout travail ça au Jebit c'est qu'on a fait nan industrie haïtienne nan de 14 ans avec Julien Jedia c'est gros travail Jebit a fait comme artiste pas vivre Haïti
Men gen kek atist yo ki a viv nan lot peyi kote liye a. Mpa jam tande J-Beat nan kont avek yon atist. Mpa jam tande le J-Beat ap pale li pesite nan atist. Avle di li se yon atist ki vreman do nou kawe sa tou ekspresyon vizaj J-Beat montrou ke li se yon atist ki pa nan meli melo. Vreman apresye sa nan J-Beat. Personnage là c'est un bon personnage lié parce que il y a plein de monde qui toujours qu'on parler de lui c'est un monde qui connaît aider artiste là tout c'est un artiste qui vraiment connaît des monde tout parce que il y a plein de fanatiques qui toujours a témoigner de J-Beat d'après recherche que moi fais J-Beat vraiment un gros artiste. Ça n'a pas oublié, J-Beat écrit plusieurs musiques pour l'autre groupe. C'est là que je m'étais fin avec la vidéo. Ça, je dis à j'aimerais annoncer le commencement de vidéo. La vidéo est vraiment longue, vraiment, vraiment longue. Même moi, j'étais étonnée, les mois biographie, ça, j'étais vraiment étonnée parce que je prends plusieurs jours pour coller, ti. Comme si c'était information que moi joine de J-Beat. OK, mon pas fait vidéo à plus long que ça toujours. M'a mettre fait à vidéo ça. Partager vidéo à continuer faire mon abonné à chaîne là, continuer quitter commentaire pour moi vraiment m'content chaque jour le même grand nombre abonné qui a augmenté. Vraiment apprécié ça moi mais nous en pile petit bétail d'ailleurs nous vraiment sous cœur même m'a mettre fin à vidéo là vraiment merci à tout le monde qui va regarder vidéo ça merci en pile ciao n'a pas dans l'autre vidéo à la prochaine.